みなさんこんにちは、せいえんです。ひろくんですやっと覚えたんか。本日はね、ちょっとね、最近ネットフリックスで話題になっている、前何個か前のモンマルトル行ったビデオでお話ししたんですけど、エミリー・イン・パリっていうドラマがね、ネットフリックスに上がっているんですけれども、アメリカ人の女の子がパリに来ていろんな困難に遭遇をするドラマなんですね。いろんな、その中でフランスのステレオタイプが出てくるので、ちょっとフランス人のpresque parisien pour savoir si les clichés sont vrais ou c'est relativement pas vrai. Voilà. Je m'attends à ce que ce soit plutôt pas vrai, mais bon. Donc on y va. これからね、ちょっと一緒に見てもらいながら反応をね、して、ちょっと細かい部分話していきたいと思います。On va ça commence. Vivent dans le futur en Amérique. Ouais, non. Dans tous les pays, ils sont comme ça. Tu veux dire quelque chose là? Sur les femmes mûres. Bah, je pense, en vrai, c'est pas spécialement en France. Enfin, c'est vrai, c'est plutôt vrai, mais pour l'Occident en général, je pense, tu vois, on peut trouver que les femmes matures sont toujours belles ou quelque chose comme ça, mais. Ouais. Peut-être plus que. Je sais pas, en vrai, non, j'en sais rien. En Asie, je sais pas si. Non, en Asie, c'est absolument le contraire. On n'aime pas du tout les femmes matures. Ouais. Moi, je sais pas, au niveau des hommes, peut-être que. Non, c'est. Il va falloir utiliser. En tout cas, au Japon, c'est sûr que c'est plus les filles loli qu'on apprécie. Mignon. Si tu veux. Il y a de tout, en vrai. Enfin, ouais. Ouais, ouais, on a le tout, mais la tendance, on va dire. Ouais, c'est vrai. Après, la tendance, en France, c'est pas non plus les femmes matures. Ouais. Pas spécialement. Pas plus qu'aux États-Unis. Ok. IBS drug. It's a social initiative to add meditation to your medication. If you like it, you can pitch it later. You know, for your last hurrah. I want you to pitch it. Seriously? Seriously, the client has to start getting comfortable. Oh, non, c'est là. Alors, elle est arrivée à Paris. Mm. C'était pas loin de mon travail, tu sais. Ah ouais? Mm. Jusqu'ici, les plans, le décor, tout ça, c'est très réaliste. Ouais, c'est très parisien. La porte d'entrée est très réaliste. Enfin, ça, de toute façon, c'est tourné vraiment à Paris. Mm-hmm. Je veux dire, ça aurait pu être embelli ou quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment, vraiment réaliste. Pareil, la cage d'escalier, tout à fait. J'aime beaucoup les escaliers qui ont cette espèce de tapis qui fait tout l'escalier. Mm-hmm.
I just chopped off these bags five flights. This is the fifth floor. In France, first the ground floor, then the first floor, then the second floor, and so on. That's weird. Non, c'est normal. Je peux commencer à l'expliquer. En gros, la fille, elle a monté, elle a cru qu'elle montait 5. Ouais, il parle de la façon dont voilà. Ouais. Compter. Your magnificent chambre de bonne. T'as entendu ça? Et voilà, your magnificent chambre de bonne. Chambre de what now? Chambre de it means the room for the housekeeper. The top two floors were typically reserved for the servants. The space is small, but the view... Oh my god, I feel like Nicole Kidman in Moulin Rouge. Alors là, on arrête là. Hein. Ça, je te dis, est-ce que c'est vraiment la chambre de bonne? Je sais rien, il a dit que c'était le cinquième étage. Le cinquième étage français. Ouais. Et je m'en rappelle plus, en France, il y a les immeubles haussmanniens, je crois que c'est 7 étages en tout. Ah ouais? Je sais, je suis pas sûr, franchement, il faudrait vérifier, mais... Il y a quelque chose comme 7 étages et je sais pas si le toit est compris dedans ou pas. Et effectivement, le toit et peut-être l'étage en dessous sont compris comme chambre de bonne. Je sais pas si ça compte là. Mais après, elle a, son appart a l'air d'être assez grand. Je sais pas. Franchement, moi je. En tant que quelqu'un qui a déjà habité dans la chambre de bonne, ça me dégoûte presque d'avoir une chambre de bonne aussi grande. Ouais. Voir un truc. Après, la chambre de bonne moderne, au sens chambre de bonne, c'est vraiment le truc dans lequel tu as habité, je pense. Après, voilà, il y a la chambre de bonne, mais les étages... Je crois que le meilleur étage, c'était le deuxième étage. C'était l'étage des bourgeois et des plus riches, avec le troisième. Et après, au-dessus, alors, il y avait l'étage des ouvriers, des choses comme ça. Donc, moins riches, parce qu'il faut monter plus d'étages, tout ça. Mais du coup, je sais pas vraiment où s'arrête la chambre de bonne, où s'arrête la chambre d'ouvrier, quoi. Mais en fait, à Paris, il y a cette règle de étage, enfin quel étage, quel type de personne habite, tout ça. Ben, dans le plan des immeubles haussmanniens, il y a vraiment cette organisation de l'appartement. Voilà. Après, ça dépend. Enfin, aujourd'hui, ça peut être toujours vrai et ça peut avoir été changé parce que tu peux acheter tout le dernier étage d'une chambre de bonne et en faire un appartement très luxueux. Si en plus, il y a un ascenseur, je pense que le dernier étage, en général, c'est celui que les gens préfèrent parce que tu as la meilleure vue. T'entends moins la rue, peut-être. Et alors, on regarde un peu la définition de chambre de bonne. Une pièce séparée d'un appartement au sein d'une maison bourgeoise, d'accord, aménagée sous les combles, Par des fenêtres de toit et généralement accessible par des escaliers spécifiques dits de service. Bah, c'est exactement ce que tu as eu. Ouais, ça, c'est ce que j'ai eu, tu vois. Ça, je savais pas que ça existait. Ah non, mais chambre de bonne, on ne peut pas accéder par la porte principale. On ne peut pas accéder comme les gens des habitants de l'appartement normal. C'est vraiment... Tu te souviens, hein? Ouais, c'est vraiment dommage parce que les entrées des appartements comme ça sont super belles, comme on a vu un peu dans le film, avec des beaux escaliers et tout. Et là, dans cette série-là, c'est juste une chambre... Une chambre dans 8e étage. oui, c'est dans l'appartement. C'est pas la chambre de bonne au sens moderne, c'est-à-dire... Tu vois, genre, c'est-à-dire une chambre pas, enfin, moins chère, pas très grande. On recommence. I feel like Nicole Kidman in Moulin Rouge. You've got all of Paris at your feet. There is a wonderful cafe just down below. A friend of mine is the manager. Wow. So, ça va? It's good? Oui.
C'est complètement abusé le l'agent immobilier qui la touche sur l'épaule. Mais... what the fuck, quoi. Le mec qui fait ça. C'est pas du tout. Non, mais c'est trop abusé le stéréotype de parisien dragueur, enfin de français dragueur. Ouais. May I introduce Emily, the American girl who's come to work with us. This is Monsieur Brossard, he's the founder of Savoir. Emily Cooper. Oh. C'est pas normal hein, le bis qu'il a fait, non? Enfin, ça dépend les gens, mais... si c'est proche, oui, mais si c'est quoi, pas proche... C'est quoi, c'est qui le monsieur? C'est son chef ou... Oui, son chef, son gérant. Non, s'ils font ça, je pense pas forcément, quoi. Enfin, c'est peut-être un peu bizarre, quand même. Ouais. Après, ça dépend dans quel domaine tu travailles, peut-être que dans la mode ou dans la culture, je sais pas, ils sont plus relax, plus traditionnels, je sais pas. Mais bon, en général, je pense pas que tu fais la bise à ton boss. Ouais. Je pense que c'est très rare. Enfin, à moins que ce soit une petite entreprise. Comment il peut dire ça après qu'elle ait dit « Ah, c'est notre fierté ». Après, je suis plutôt... Enfin, j'ai jamais goûté, mais franchement, ça n'a pas l'air super bon. Ça, c'est un avis français ça a l'air bizarre, typique. Non, mais... Oh, attends, mais là, franchement, c'est trop abusé. Enfin, là, c'est le cliché absolu. Non, attends, mais ça, vraiment, j'ai une avis concrète. Attends, je dis d'abord mes deux avis. Parce que sinon, je vais oublier. Alors, deux gros clichés fusionnés là. Donc voilà, genre les Français qui ne supportent qu'à part quelqu'un qui parle anglais. Et genre les Français assez arrogants et tout, genre. Qui se barre comme ça sans rien dire. Enfin, depuis le début, genre, ils cultivent assez l'image du français arrogant et tout. Personnellement, je trouve que les Français sont assez polis et en général, on n'est pas arrogant comme ça, comme le stéréotype. Et les Français font plutôt attention à ne pas créer de conflit, je trouve, personnellement. Vas-y. Un avis. En tant qu'étranger qui est débarqué en France, ça existe vraiment. Juste un point, tant qu'on en y parle, parce que il y a beaucoup de gens qui me disaient en France et tout, on n'aime pas parler anglais et on ne sait pas parler anglais. Mais du coup, je sais comment répondre à ça. Parce qu'en fait, j'ai regardé quel pays européen, quel pourcentage de gens parlent anglais, peuvent avoir une conversation en anglais. Effectivement, la France, en France, il y en a moins, beaucoup moins qu'en Allemagne et aux Pays-Bas, qui eux, ils sont trop forts, et qu'en Suède, parce que voilà, tous les pays du Nord, en gros, ils sont trop forts. Suède, Allemagne, Pays-Bas, mais on parle mieux anglais que les Italiens et les Espagnols, par exemple. Et peut-être même que les Roumains, je suis pas sûr, mais. Enfin, tu vois, par rapport aux pays latins, en fait, on parle quand même mieux anglais. Enfin, il y a plus de gens qui parlent anglais qu'en Italie, tu vois. Donc, bon. Statistiquement, ouais. Voilà, statistiquement... Ouais.
Non, mais c'est des caricatures, les personnages. Ils sont trop pas sympas, franchement. Mais c'est ça aussi, en fait, depuis le début, les gens sont pas sympas du tout. Tu penses, est-ce que c'est faux ou c'est vrai? Non, je pense que c'est faux quand même. Si les gens étaient aussi pas sympas, ça serait horrible, je trouve. Mais Ouais, méchanceté, je pense, peut-être. entre les Français, vous comprenez bien que c'est une seconde raie ou quelque chose comme ça. Mais je pense que c'est assez choquant pour les étrangers. Il y a. Enfin, c'est pas comme ça. Il y Ouais. a, y a une vérité derrière, si tu veux, qui est différente, en fait. Enfin, c'est pas comme ils le mettent comme ça. Par exemple, les Américains sont trop. Sont trop. Enfin, je pense, ils sont très gentils, un peu. Quand ils parlent à quelqu'un, machin, ils sont hyper gentils. Mais un peu trop, tu vois. Enfin, et je sais pas, c'est. Mais Je sais pas c'est comment mieux, dire, non? tu vois. Ouais, c'est plus chaleureux et tout. Et je pense que les Français qui vont aux États-Unis adorent ça parce que ils sont très chaleureux et tout, tu vois. Mais après, je sais pas, ça nous paraît pas naturel. Mais après, on n'est pas non plus, c'est pas pour ça qu'on est désagréable avec les gens, quoi. Cet humour-là. Mais en tout cas, de pays d'Asie, on va dire, enfin, moi j'ai vécu surtout au Japon, donc ça me choque quand même. Surtout le début, ça m'a tellement choqué. Quand on demande par exemple, est-ce que vous allez, où est-ce que vous allez manger ce midi? Est-ce que je peux y aller avec toi? Par exemple. Et les Français peuvent éventuellement te dire non, tu peux pas y aller, enfin, je veux pas y aller avec toi. Mais c'est tout à fait, par exemple, enfin, c'est tout à fait un truc pour dire, je sais pas, c'est tellement évident qu'on y aille que c'est, enfin, ils répondent, enfin, ils peuvent répondre avec cette manière assez, enfin, on va dire, un peu méchant, qui paraît méchant. Du coup, on fait une petite blague comme ça, hein. On dit un truc un peu méchant, mais on sait que c'est une blague, juste pour Ouais. créer une blague, même si elle est un peu nulle, et faire un petit lien amical, machin. Ouais. Mais c'est ça, je pense que ça marche très bien entre les Français, mais ça marche pas du tout avec l'étranger, quoi. Je sais pas si c'est une blague ou si c'est vrai. Je sais pas juger les choses comme tout le monde font en France. Donc ça, enfin, moi je peux pas du tout comprendre, donc c'est un peu compliqué pour moi. J'ai entendu dire que les Allemands sont exactement comme ça, après ils comprennent. Enfin, c'est ce que j'ai entendu dire, mais. Enfin, c'est un Ouais. stéréotype, mais je crois qu'il est quand même assez vrai, c'est qu'ils comprennent pas. Ils n'ont pas du tout cet humour du second degré, et Ouais. ils comprennent pas, voilà, si tu dis un truc méchant mais que c'est pour rire. Et il faut que quelqu'un m'explique que non, mais c'était une blague ou je sais pas, un truc comme ça. Ouais. Enfin, est-ce que tu penses que c'est vraiment un pays d'amour? Pays d'amour. Parce que là, c'est vraiment, ça représente tellement le romantisme, enfin, romantique. C'est We are in Paris, tu vois? C'est ça dans cette série, Enfin, l'amour pour la question du romantique. romantisme, en général, j'ai mon avis, c'est que c'est pas vrai. Moi, je pense que c'est relativement vrai. Ah bon? Mais après, même dans la série, là, enfin, je vois pas ce qu'il y a de romantique depuis le début. Juste, elle rencontre des beaux mecs et il y a un peu, voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas quoi, mais. À part ça, je vois pas trop. Mais pour le côté romantique, je confirme quand même que c'est vrai. Bon. Parce que j'ai quand même une copine, enfin beaucoup de, au moins 7-8 copines japonaises, et elles ont fait des petits copains français pendant une année d'échange. Je sais pas. Après, peut-être, je sais pas.
que voilà, les Français par exemple vont pas trop être regardants sur est-ce que la relation est stable ou je sais pas quoi, tu vois, genre même si elle s'en va dans 1 an ou je sais pas quoi, peut-être qu'on va pas regarder ce genre de choses parce que au niveau de ce genre de choses, de relations amoureuses et tout, les Français sont moins comment Peut-être que dire? c'est pas comme les Japonais. Moins penser à l'argent, au matériel, moins matériel, comment, Matérialiste. moins matérialiste. Après, Je sais pas si c'est vraiment du romantisme ou je sais pas. pas. Mais en tout cas, en France, il y a beaucoup de gens sont en couple, je trouve. Comparé au Japon. Oui, comparé au Japon, je sais que tout Oui, le monde. enfin, moi je compare qu'au Japon parce que je suis du Japon, mais bah, je pense on se met plus facilement en couple en France qu'au Japon parce que nous on prend énormément de temps pour se mettre en couple déjà. Et il y a 12 extrémités, genre il y a des parties de personnes qui se mettent super facilement en couple, mais il y en a d'autres qui n'ont jamais eu même la relation amoureuse, on va dire. Donc en France, c'est relativement normal quoi, à ce niveau. Genre tout le monde peut avoir petite amie, petite amie, petite amie. Quand les trottinettes électriques, c'est tout à fait vrai. Oui, c'est En vrai, vrai. j'aime bien dans ce film Ouais. le fait que, on voit déjà, ils font beaucoup de beaux plans sur Paris. Et enfin, c'est tout à fait réaliste et c'est très beau. Et en réalité, Paris, c'est trop très beau, je trouve. Et ouais, la trottinette électrique, C'est c'est à un la mode. phénomène très récent et Ouais. c'est tout à fait vrai, quoi. Il y a plein de trottinettes partout. Ouais. Oh, mon chat. C'est ça le fait de fumer. Je pense, enfin, je trouve personnellement en France, il y a quand même pas mal de gens qui fument. Et il y a beaucoup de femmes qui fument ici, ouais. Y a plus de femmes qui fument, je pense, que par rapport à en Asie. Ouais. Mais après, au niveau des hommes, je suis pas sûr qu'il y en ait plus Ouais. que dans d'autres endroits. Ouais. Ouais. C'est vrai. Le sous-titre est pas le bon. Clovis va faire trop de bruit dans la vidéo. Après, je trouve le travail n'est pas la joie au Japon. Tu vois, il y a des gens qui adorent leur travail et puis ils travaillent beaucoup, mais la plupart des gens, ils détestent le travail, mais ils travaillent beaucoup au Japon. Mais en France, on n'aime pas travail et donc on ne travaille pas beaucoup. C'est ça. Ouais, peut-être que voilà, au Japon, j'ai l'impression qu'on travaille plus par sens du devoir un peu envers son Ouais. entreprise. Et ouais, ils ont raison. Enfin, du coup, le passage là où ils parlent
de leur travail ensemble, c'est un peu stéréotypé, Ouais. leur échange et tout, mais le fond est vrai. En France, voilà, en général, les gens, enfin, l'esprit général, on va dire, tu vis pas pour ton travail, Ouais. tu vis pour la vie que tu as entre ton travail, après ton travail, pendant les vacances. Et voilà, pour ces choses-là, Ouais, tu mais vis pas pour ton déjà, travail. je pense beaucoup de Français vivent pour les vacances. C'est tout le temps, Il y a un peu ça, il y a les vacances qui nous attendent, donc on travaille. Donc, voilà, ouais. et voilà, et puis l'esprit d'entreprendre aussi, voilà, c'est très anglo-saxon, Ouais, c'est très peu. même l'esprit d'innover, d'entreprendre, tout ça, Ouais. c'est pas très présent en France, beaucoup moins que voilà, aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons. Oh my God. Grosso modo, selon toi, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Grosso modo, je dirais que c'est très très stéréotypé, donc voilà, c'est abusé, c'est pas Ouais, c'est très vrai, c'est exagéré, ouais. exagéré, voilà. Après, il y a une base de vérité, on peut dire. C'est ça. Mais C'est ça, bon, après, il y a certains trucs, c'est complètement abusé, hein, genre à quel point les gens sont méchants et ouais. arrogants, c'est Ouais. incroyable. Du coup, tu penses, est-ce que c'est réussi en France ou pas ça? Est-ce que les Ah. Français vont À mon avis, les Français vont pas regarder regarder et Ouais. apprécier parce qu'il y a trop de stéréotypes sur les Ouais. Français. Après, enfin, personnellement, pour les étrangers, je trouve que ça doit être assez intéressant parce que déjà, c'est très beau graphiquement, je trouve, Ouais. de voir Paris comme ça. Enfin, bon, donc voilà, c'est intéressant de ce point de vue-là. Ouais. Et puis, ça doit être intéressant pour les étrangers parce que peut-être qu'ils n'ont pas conscience à quel point c'est stéréotypé, mais bon, il faut savoir quand même que c'est vachement stéréotypé. Ouais. Et surtout, je dirais. Que ce qu'il faut retenir, c'est que les Français sont pas aussi méchants, Ouais, ils sont pas du tout aussi méchants comme représentés dans cette série. あのね、これが、フランスの100%の真実じゃないと思うし、本当に優しい人もたくさんいるし、とはいえ、ちょっとなんか、いや、これちょっとそうかもなって思うところもあるので、フランス人的にはちょっとなんか、言われるとちょっと痛いところ疲れたなみたいな要素の結構ある、エミリー・パリへ行くなんですけれども、結構ね、外国の人からしたら、まあ、ちょっとだけね、あまりにもオーバーにされすぎてるけど、ちょっとフランスのことも知れるし、まあ、フランスの景色も見れるし、パリも綺麗だしということで、私は、フランスを知りたいとか、フランス語勉強したい人にはおすすめです。なので、ぜひ皆さんも見てみてください。ということで、また次回のビデオでお会いしましょう。またまたねー。ねー。チャオー。チャオ。ビビゾー。ジュー。